Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser d'un peu plus près à la biologie de l'aquarium. Dans cette vidéo, je répondrai à trois questions que je vois souvent apparaître, à savoir, qu'est-ce que le cycle de l'azote, qu'est-ce que le pic de nitrite et pourquoi dois-je attendre avant de peupler mon bac? Installe-toi confortablement, on se retrouve tout de suite pour une explication détaillée. Tu as sûrement déjà entendu parler du cycle de l'azote, raison pour laquelle on te conseille vivement d'attendre avant de pouvoir enfin peupler ton aquarium. Il existe beaucoup de vidéos sur le sujet, mais je ne peux pas commencer une chaîne sur laquelle je parlerai du maintien des invertébrés sans aborder ce point de départ essentiel et vital à l'équilibre de l'aquarium. En effet, la compréhension de ce cycle te permettra de mieux comprendre pourquoi et comment mesurer le taux de certains composants, mais également d'appréhender l'importance des changements d'eau réguliers. Pour mieux comprendre, il faut d'abord s'intéresser à cet élément chimique que l'on retrouve dans 70% de l'air ambiant, l'azote. Dans la nature, il est véhiculé par l'intermédiaire des végétaux et des animaux, et est le principal composant de la matière organique. Sa forme gazeuse est assimilée dans le sol par les bactéries dites fixatrices d'azote, et on le retrouve également sous forme d'ammoniac dans la matière en décomposition. Ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est son rôle dans la composition de la matière organique, ainsi que le rôle des bactéries qui vont entrer dans le processus de dégradation des composés dits azotés. Je m'explique. Un aquarium constitue un système clos, au sein duquel doit se développer un véritable écosystème aquatique. Dans la nature, les bactéries se développent depuis l'apparition de la vie sur Terre, et les étendues d'eau sont importantes. Ce qui fait que ce cycle a eu le temps de s'installer correctement et est relativement stable. Par conséquent, il faudra du temps à ton aquarium lorsque tu viens de le mettre en eau pour qu'il se colonise en bactéries qui vont permettre la dégradation des déchets dits azotés en éléments assimilables par les plantes d'une part et moins nocifs pour les organismes aquatiques d'autre part. Par organismes aquatiques, j'entends principalement les habitants de ton bac, à savoir les éventuels poissons que tu vas y mettre, crevettes ou encore les escargots. Ce processus de dégradation, dont je te parlais juste avant, est connu scientifiquement sous le nom de nitrification et plus connu en aquariophilie sous le nom de cycle de l'azote. Voyons ensemble comment il s'installe. Lorsque tu aménages un aquarium, tu vas y mettre un sol, des plantes, des éléments de décor. À cela, tu vas y ajouter de l'eau, des éléments de filtration, un éclairage. L'ensemble de ces éléments constitue la base de ton écosystème qui doit maintenant être colonisé par différentes bactéries. À ce sujet, nous verrons dans de prochaines vidéos quels sont les différents éléments qui permettent ce que l'on appelle un bon support bactérien. C'est bien joli tout ça, mais ça ne nous explique pas ce qu'est le cycle de l'azote. Dans un premier temps, comme ton aquarium n'est pas encore peuplé, la principale source de pollution provient des plantes, qui, le temps de s'habituer à une culture immergée, peuvent perdre quelques feuilles, feuilles qui vont constituer de la matière organique qui va elle-même constituer de la pollution. Par la suite, lorsque tu vas peupler ton aquarium, tu ajouteras de la pollution par l'intermédiaire des déjections de tes poissons, mais également de la nourriture. Cette pollution se traduit par l'apparition dans ton bac de différents composés azotés qui sont l'ammoniac sous la forme d'ammonium et d'ammoniac, les nitrites et les nitrates. L'ensemble de ces composés sont toxiques pour les organismes aquatiques, mais principalement pour les invertébrés. Il est donc important que ce cycle soit bien fait et bien établi dès le départ, afin que l'aquarium tourne sans encombre avec des paramètres stables par la suite. Le début du cycle est marqué par la dégradation des déchets organiques par trois types de bactéries, les bactériums, les bacillus et les microzorus. Détaillons donc les différentes étapes de ce que l'on appelle cyclage de l'aquarium. L'ammoniac sera le premier élément que tu pourras observer lorsque tu mesureras tes paramètres d'eau. Souviens-toi, il en existe deux formes. Donc si tu travailles avec une eau acide qui a un pH en dessous de 7, tu auras plus d'ammonium. Tandis que si tu travailles en eau basique, tu auras plus d'ammoniac. L'ammonium représente la particularité d'être beaucoup moins nocif pour les organismes aquatiques, particulièrement pour les invertébrés, et a également la propriété d'être assimilable par les plantes. Peu de temps après, tu observeras un pic d'ammoniac. C'est normal, il faut le temps à ton aquarium de se coloniser en bactéries que l'on appelle les nitrosomas. Les nitrosomas sont une famille de bactéries qui vont petit à petit coloniser le sol et le filtre de ton aquarium pour dégrader l'ammoniac et l'ammonium, comme on l'a vu précédemment, en nitrite. Nitrite qui est un élément beaucoup moins toxique pour les organismes aquatiques, mais toujours aussi toxique pour les crevettes et qui conserve un fort pouvoir de tueur.
Après le pic d'ammoniac, tu observeras donc un pic de nitrite. Pas de panique, il faut le temps que ton aquarium se colonise en bactéries et qu'intervienne une nouvelle bactérie, ou plus particulièrement une nouvelle famille de bactéries, les nitrobactères, qui vont également coloniser le sol et le filtre de ton aquarium afin de dégrader ces nitrites en nitrate, élément beaucoup moins toxique pour les organismes aquatiques, assimilables par les plantes, mais toutefois, tu feras attention parce que les invertébrés et particulièrement les crevettes restent très sensibles à ces nitrates. C'est au moment où le taux de nitrite arrive à zéro et que le taux de nitrate commence à monter que ton cycle de l'azote est effectué. À ce moment, cela signifie que tu as une population de bactéries suffisante pour dégrader l'ensemble de la matière organique en nitrate. Attention toutefois à ne pas peupler trop rapidement ton aquarium pour ne pas amener une source de pollution qu'il ne pourrait pas gérer. C'est-à-dire, dans le cas des poissons, tu commenceras avec quelques poissons, et ce qui nous intéresse dans le cas des invertébrés, tu commenceras avec un nombre limité de crevettes et non pas une colonie entière de 50 individus d'un coup. En effet, la pollution engendrée par une telle population déséquilibrerait progressivement les paramètres de ton aquarium pour aboutir à un pic de pollution qui décimerait ta population. Et donc, je terminerai avec ce point, étant donné que sur cette chaîne, je vous parle de maintenance d'invertébrés. Il sera important, une fois que le bac sera cyclé et que tu auras intégré tes invertébrés, de ne pas dépasser la valeur seuil de 10 mg par litre de nitrate. Comme je te l'ai dit, les crevettes sont beaucoup plus sensibles au nitrate que les autres poissons ou escargots que tu pourras intégrer dans un bac. Mais que faire en cas de montée des nitrates? Encore une fois, pas de panique. Tes plantes aquatiques ne sont pas un simple élément de décor et vont t'aider à absorber une partie des nitrates. Les bactéries, quant à elles, vont également absorber une partie des nitrates pour continuer à se développer. Enfin, souviens-toi, je t'ai dit qu'il y avait de l'azote dans l'air que tu respirais. Une partie de tes nitrates vont être transformées en azote gazeux qui va rejoindre l'air ambiant avec l'évaporation. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est surveiller tes paramètres d'eau, penser à changer l'eau régulièrement à raison de 10 à 20% par semaine, à savoir si tu fonctionnes avec un bac de 30 litres, 3 à 6 litres d'eau par semaine, et avec un bac de 100 litres, 10 à 20 litres d'eau par semaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir été clair et précis. Si tu te poses encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et liker la vidéo. De cette manière, tu seras averti de la publication des nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi et de ton ou tes aquariums si tu en possèdes. On se retrouve mardi à 17h.